llama apasionada todo el tiempo. No me importa casi nada porque digo lo que siento. Y cuando digo que te quiero, lo hago con amor sincero. Que sentí en el mundo entero que hoy te quiero para mí. Tal vez soy complicada, soy peor enamorada y ya me enamoré de ti. Regálame un beso, regálame un sueño, véndame tu frío y lo convierta en mi calor. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, oh, más que amor. Monsieur Barra, vous savez où est Monsieur Barra? Heureux que tu sois revenu, Estrelita. Inutile de le cacher, je l'ai vu. Je voulais pas que tu me vois comme ça. Mais c'est trop tard. Comment est-ce possible que vous vous remettiez à boire, sachant tout le mal que ça vous fait? C'est parce que tu sais pas ce que je ressens. Tu vois, quand un homme est malheureux, il est logique qu'il cherche à se réfugier dans l'alcool pour essayer d'oublier. Vous ne la finirez pas. Vous voulez quoi, mourir? Vous serez bien avancé. Tout ce que ça ferait, c'est me causer beaucoup de chagrin. Parce que vous savez quoi? Je vous aime énormément. Presque comme un père. La mort est bien la meilleure chose qui pourrait m'arriver. Tu n'as aucune idée des pensées qui me tourmentent. Les problèmes ne font que s'aggraver avec l'alcool. Ne t'en va pas à nouveau, Estrelita. J'ai besoin de toi. C'est seulement quand tu es là que je peux lutter et... et affronter toutes les fautes que j'ai commises. Papa! Antoine, papa. Tu devrais t'en aller. Oui, oui, il a raison, c'est mieux comme ça. Tu viens, on s'en va. S'il te plaît. Papa! Monsieur Barra, comment vous vous sentez? Monsieur Barra! Mon petit papa! On peut dire que vous avez reçu une sacrée correction. Bien que je sois contre toute forme de violence, c'est un châtiment que vous avez mérité. Taisez-vous! Mais... avouez que vous êtes en tort. Et repentez-vous enfin de tous vos péchés. Pensez donc un peu au salut de votre âme. Fichez-moi le papa, corps. Papa, calme-toi, je t'en prie. Aidez-le, s'il vous plaît. J'espère que le Seigneur aura pitié pour vous. Allez. Dehors. Qu'il s'en aille. Non, 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 papa. Partez, mon père. Papa, je t'en prie. Je t'en prie, reste avec moi. S'il te plaît. Allons-y. Non, 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 attention. Attention, doucement. Attention, monsieur Barra, doucement. Papa. Papa. Attention. Oh, où est-ce qu'il est passé, cet imbécile? Que je lui règle son compte. Ah. Papa, je t'en supplie, ça suffit maintenant, je t'en prie. Monsieur Barra, c'est fini, calmez-vous. Vous pouvez à peine vous lever. Allez, je vais vous aider maintenant à rentrer jusqu'à non, chez vous. Non, à l'hôpital. Allez, accrochez-vous à moi. Attention, attention. Faites bien allons-y. Attention. Faites attention, monsieur Barra. Je vous en supplie. Par pitié, arrêtez de boire. Et maintenant, je dois y aller. Non, non, t'en vas pas. Promets-moi que tu vas revenir travailler ici, dans cette maison. Eh bien, j'avoue que ça me fait beaucoup de peine, mais je reviendrai jamais ici. Tu es tout ce que j'ai dans la vie, Estrella. Et tel que tu me vois là, je suis aussi tout ce que tu as. Non, écoutez, c'est pas vrai, Guilherme. J'ai aussi une mère, même si elle est malade. J'ai aussi une marraine. Tous mes cousins, j'ai... j'ai Clémentine, Sébastien et Avril, et même si on n'a pas le même sang, bah ce sont quand même mes cousins. Et puis j'ai l'homme que j'aime. Tu me plais beaucoup, Victor Emmanuel. Oriana, tu essayes de me conquérir uniquement pour que je vende le village à ton père. Pourquoi tu me dis toujours ça? Tu me traites comme si j'étais intéressée. Mais quelle femme ne l'est pas, hein? Si je suis avec toi, c'est parce que tu me plais. Tu es tout à fait mon type d'homme. Je n'embrasse pas n'importe qui par intérêt. Et que tu vendes ou non tes propriétés à mon père, ça ne regarde que toi. Mais ça n'a vraiment rien à voir avec ce que je ressens pour toi. Ne me prends pas pour une manipulatrice parce que c'est injuste. Alors je suis désolé.
mais je n'ai pas envie de tomber amoureux de qui que ce soit. Eh bien, laisse-moi seulement te montrer à quel point je suis amoureuse de toi. Pas comme cette paysanne qui s'est honteusement moquée de toi. Évite de la mentionner. Il y a une chose que tu pourrais faire pour me convaincre que tu es amoureuse de moi. Demande-moi tout ce que tu veux, je le ferai. Eh bien, je viens juste de commencer à écrire un nouveau bouquin. Mm-hmm. Et je voudrais aller à Madrid parce que c'est là que je veux le terminer. Oui, à Madrid. Pourquoi tu ne viendrais pas avec moi? Bien, j'adorerais venir avec toi, mais je peux pas quitter la plage des étoiles comme ça du jour au lendemain. Pourquoi donc? Quelque chose te retient dans ce village? As-tu une bonne raison de vouloir rester à la plage des étoiles? Promettez-moi que vous allez faire un effort. Je dois m'en aller. Mais quelle est la chose si importante que tu dois faire, Estrella? Je dois trouver Monsieur Barra. Il a fait une chose horrible à ma petite sœur, alors il faut que je le trouve. J'arrive pas à croire que c'est un tel monstre. Tu sais, moi aussi j'ai fait une chose horrible, impardonnable. Il faut que je trouve Monsieur Barra. Il faut que je le trouve et que... Il faut que je lui dise que c'est un monstre et que ce qu'il a fait, c'est... Je ne suis pas aussi bon que tu pourrais le penser, Estrellita. Estrellita. Estrellita, c'est moi l'homme qui a abusé de ta mère il y a 20 ans. Si je veux rester ici, c'est uniquement parce que ma famille vit ici et que je ne peux pas l'abandonner comme ça sur un coup de tête. Mais et pourquoi donc, voyons? Tu es une femme totalement libre. Tu peux aller faire ta vie exactement où tu veux et avec qui tu veux. Pourquoi tu veux m'éloigner de mon père? Pour le punir de ne pas t'avoir parlé de ses projets concernant le village? Ou est-ce que ton but, c'est de faire souffrir Estrella quand elle apprendra qu'on est partis tous les deux? Je t'ai prié de ne jamais parler d'elle. T'as raison. Partons. Quand nous sommes ensemble, l'ombre de cette femme doit disparaître. À jamais. Quoi? C'est moi qui ai fait du mal à ta mère il y a 20 ans. C'est un mensonge. J'aimerais que ce le soit, oui. Un mensonge. Mais non. C'est une réalité qui m'accable depuis le jour où c'est arrivé. Dites-moi que c'est un mensonge. Je suis l'être méprisable qui a fait du mal à ta mère. Non, c'est impossible. Vous inventez cette histoire. Pourquoi? Je te jure devant Dieu que ce que je dis est vrai. Je suis ton père, Estrella. C'est moi ton vrai père. Victor Emmanuel. Pourquoi tu ne me demandes pas de t'épouser? Eh bien, parce que je n'ai pas du tout envie de me marier. Mais je veux pas être une fille de plus. Ce que je souhaite le plus au monde, c'est être liée avec toi pour la vie. Ça fait longtemps que je me torture l'esprit avec ça, tu sais, mais... Je ne m'y risquais pas car j'avais peur de ta réaction. J'avais peur que tu me rejettes, que tu me fuis et même que tu me haïsses. Je vis un véritable enfer depuis que je sais qui tu es. Quand c'est arrivé, je me suis dit qu'il fallait oublier. Et j'ai presque réussi. C'est la raison pour laquelle je suis parti. Je ne voulais pas revenir dans cette maison. Car j'avais peur d'être confronté à mon passé, mais... Mais tu vois bien, le destin t'a mené jusqu'à moi. Et je n'ai pas pu fuir. Je l'aurais souhaité. Mais j'ai découvert ton charme, ta tendresse. Et quelque chose qui devait sans doute dormir au fond de moi. L'amour paternel. Vous, mon père? Tu crois vraiment que je te mentirais? Non, mais j'en sais rien, je suis... Quelqu'un d'autre peut te le confirmer. Léon le savait. Tu peux lui demander. Doucement, doucement. J'envoie chercher un docteur, papa. Non! Sûr? Je n'ai pas besoin d'un médecin. J'envoie Charlotte, tu devrais aller t'allonger dans ta chambre, non? Doucement, je ne peux pas m'allonger. Doucement. Faites attention quand même. Ça va, tu es bien? J'appelle tout de suite un médecin, ok? Non! Charlotte? Oh!
Où est Mademoiselle Oriana? Je ne sais pas, sergent. Elle est partie il y a un moment. Je suppose qu'elle doit être chez Monsieur Candidi. Oriana, tu rigoles? Quoi? On vient à peine de se rencontrer. Est-ce que tu n'as pas l'impression d'aller un tout petit peu trop vite? C'est juste que je sens que tu joues avec mes sentiments. Tu sais, en général, c'est l'homme qui demande à la femme de l'épouser, pas l'inverse, non? Aujourd'hui, c'est l'inverse. Oui, oui, Victor Emmanuel. Tu sais, en te comportant de cette manière, eh bien, je sens bien que tu me prends pas au sérieux. Que t'es avec moi juste par dépit. Ou alors pour te venger de mon père. Eh bien, alors disons que ce sont les règles du jeu. C'est à prendre ou à laisser. Mais bien entendu, je prends, mon amour. Je prends tout. Vous avez abusé de ma mère. Pardonne-moi, Estrella. Pardonne-moi. Comment pourrais-je vous pardonner? Il y a des années qu'elle a perdu la raison. Vous avez abusé d'elle et elle est folle à cause de vous depuis ce qu'elle a vécu. C'était qu'une gamine, la pauvre, qu'une gamine. Vous l'avez humiliée, vous l'avez prise de force. Mais je ne savais plus ce que je faisais. Quelle excuse! C'est la vérité, Estrella. J'avais beaucoup bu cette nuit-là et je ne sais pas ce qui m'a pris. Et l'alcool m'a rendu fou, j'avais comme perdu la raison. Et toutes mes facultés mentales. Et comprends-moi, je t'en prie. Non. Non, ma maman. Ma pauvre maman. J'étais incapable de réfléchir. Je ne savais pas qui était cette femme. Si seulement elle n'avait pas été là ce soir où l'alcool m'a fait perdre la raison. C'est comme ça que c'est arrivé. Crois-moi, Estrellita. Je n'étais pas responsable de mes actes. Non. J'étais comme... comme si j'étais aveugle ou... Quand j'étais petite fille, je me suis demandé mille et une fois qui était mon papa. Et maintenant je découvre que c'est vous, le vaurien, qui avez complètement détruit la vie de ma mère. Ça y est, les voilà. Papa! Oh, Seigneur Dieu, Antoine, qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Comment ça, rien du tout? Tu sais, je te connais, Antoine. Dis-moi ce qui s'est passé. Calme-toi, chérie. Ne t'en fais pas, tout va bien. Papa! Chaque homme que je croisais dans le village, je croyais que c'était mon père. Chaque fois que quelqu'un m'approchait avec un geste affectueux, j'avais le cœur qui me sortait de la poitrine. Mais ensuite, j'ai commencé à comprendre les choses. J'ai ressenti du dégoût. Du dégoût à l'idée de rencontrer le type qui avait fait ça à ma mère. Tu crois que tu arriveras un jour à me pardonner? Ma maman est folle. Et c'est vous qui êtes le coupable. Je te demande pardon. Je regrette. Je voudrais effacer ma faute. Pardonne-moi, Estrella. Pardonne-moi. J'aurais voulu empêcher ce qui t'est arrivé, ma fille. Papa. Si seulement je pouvais nettoyer ton cœur de toute la douleur et de toute la souffrance que cette ordure t'a infligée. Si je pouvais. Dis-moi ce qui s'est passé entre cet homme et toi, Antoine. Tu l'as affronté? Est-ce que tu l'as tué? Ne me dis pas que tu as été capable non, de... Non, Aurore. Ne vous inquiétez pas comme ça. Antoine et Léon Barra se sont seulement rencontrés sur la plage et ils se sont bagarrés un petit peu. Et papa a bien failli le noyer. Oh mon Dieu, c'est de ma faute tout ça, c'est ma faute, papa. Non, tu n'as pas le droit de dire ça. Toi, tu n'es coupable de rien. Tu es seulement une victime. Surtout, ne t'en fais pas, maman. Cette canaille est encore en vie. C'est tout ce que je regrette, qu'il soit toujours en vie. Qu'il ne m'ait pas laissé achever cette ordure. Antoine, non. Non, tu ne dois pas dire ça. C'est que... je voudrais réparer le mal que je t'ai fait, Estrellita. Tu sais, j'ai une grosse fortune et je vais faire de toi mon héritière. Tout ce que j'ai, je le mettrai à ton nom. Ça vous appartient à toi et à ta mère. Pardonne-moi et accepte. Vous croyez pouvoir vous offrir mon pardon avec votre argent? Par pitié, Estrella. Je t'en prie. Non, je ne veux rien. Je ne veux rien venant de vous. Mais prends cet argent, s'il te plaît. Restez où vous êtes!
je ne veux rien. Je suis ton père. Oubliez ça. Si vous avez pu vivre toutes ces années sans vous soucier de moi, continuez à faire comme si vous n'aviez jamais eu de vie. Jamais. 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 Papa, je t'en prie, écoute-moi. Va dans ta chambre te reposer, te changer et mettre des vêtements secs. Non, je vais rester ici, c'est clair. Papa... Oh. Est-ce que c'est clair? Monsieur mais... Barra, si vous permettez, je vais quitter, j'ai des choses à faire. Je vais vous préparer une tasse de thé, monsieur Barra. Merci, Charlotte. C'est vous que je cherchais, espèce de salaud! Ah, ça va, tais-toi. Je vois que vous avez eu ce que vous méritez. Vous êtes un être odieux et immonde, et j'aurais préféré ne jamais entendre ce que j'ai entendu aujourd'hui. Avec tout ce que j'ai appris sur vous, je ne veux plus rien avoir à faire avec les gens de cette maison. L'homme qui est là-haut et dont le sang coule dans mes veines est à votre image un individu malfaisant, un enfoiré, une sale ordure. Estrella, 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 qu'est-ce qui t'arrive? J'ai rien à te dire à toi. Quoi? Vous êtes une ordure. Une ordure. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu dis ça? J'espère que vous allez mourir. C'est tout ce que vous méritez. Mais qu'est-ce qui se passe, papa? Papa, de quoi elle parlait? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Papa. Papa, tu vas me répondre, oui ou non? Ce vaurien, je le déteste et je ne peux pas lui pardonner. J'espère que Dieu non plus ne lui pardonnera pas. Victor Emmanuel, où es-tu? J'ai besoin de toi. Je suppose. Ah, ma fille. Tu imagines le danger que tu as couru avec cet homme pendant notre voyage à la capitale? Et ici, en travaillant chez lui dans sa maison? Exposé comme tu l'as été, il aurait très bien pu abuser de toi. Ma chérie, j'ai de la peine pour Clémentine. Elle qui était tellement amoureuse de Martin. Bien sûr, j'imagine qu'il n'est pas revenu, n'est-ce pas? Pourvu qu'il ne lui tourne pas le dos. Ce serait vraiment injuste pour elle. Quelle erreur a-t-elle commise, la pauvre? De toute façon, avec les hommes, on ne sait jamais. Ce sont tous des fumiers qui n'ont honte de rien. Non, faut quand même pas exagérer. Mais le problème, c'est qu'ici, il y a deux victimes. Clémentine et Cécilia. Enfin bon. Mais pourquoi est-ce que tu comptes ces billets en pleine nuit? Parce que je m'en vais. Je m'en vais loin de la plage des étoiles. Quoi? Tu es venu te réjouir du fait que je me sois fait tabasser par ces crèves-la-faim, non? Je me fiche de ce qui t'est arrivé. De qui t'a tabassé et pourquoi. Je suis juste venu pour te dire que j'ai tout révélé à Estrella. Elle sait maintenant que je suis son père. Ah.
Enfin, dis-moi pourquoi tu veux quitter le village, Estrelita. Pour différentes raisons. Mais en particulier pour deux raisons qui me rendent malheureuse. Allez, raconte-moi tout. Tu sais que tu peux me faire confiance, n'est-ce pas? Aujourd'hui, j'ai appris qui était mon père. C'est vrai? Et qui est-ce? C'est Guilherme, le beau-frère de Monsieur Barra. Je vous ai souvent parlé de lui. Oui? Quelle horreur! Oh mon Dieu! Papa! Où est-ce que tu étais? Chez Victor Emmanuel, mais... Oh mon Dieu, mais tu es blessé, qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, surtout tu ne me touches pas. C'est Antoine, ce minable pêcheur avec qui je me suis battu sur la plage. Il a sûrement voulu se venger pour ce que tu as fait à sa fille. Je savais que ça allait t'amener des problèmes, papa. Maudit soit-il. Il m'a pris pour un punching ball. Mais les choses ne vont pas en rester là. Ce vaurien va me le payer cher. Mais passons à un autre problème. Tu dois savoir que cette folle de Cécilia n'est toujours pas morte. Mon Dieu. Et il y a pire encore. Estrella sait maintenant que Guilherme est son vrai père. Quoi? Elle m'a échappé des mains et cette fois c'est pour toujours. Depuis qu'elle a appris pour cette petite idiote, cette poissonnière qu'est Clémentine, elle ne veut plus du tout me voir. Eh bien ça me plaît pas du tout que cette petite peste soit au courant pour ses origines. Elle va essayer de tout s'approprier, papa, est-ce que tu t'en rends compte? Comment c'est possible que ce soit cet homme? Au début, j'ai pensé qu'il disait ça parce qu'il avait trop lu. J'ai pensé qu'il se sentait seul. Que pour cette raison, il s'était mis soudain à s'imaginer que j'étais sa fille. Mais en fait, c'était la vérité. Ah. C'est pour ça que tu as toujours été si différente de toutes les filles de la plage des étoiles. Tu as toujours eu beaucoup de classe. Beaucoup de classe, hein? Mais je suis la fille d'un homme qui est lâche. Un homme sans cœur qui...